Alors que l'Union européenne renforce ses actions en faveur du climat, notamment avec le Green Deal, le commissaire à l'environnement, l'océan et la pêche, Virginijus Sinkevičius, a lancé une nouvelle coalition internationale pour la biodiversité lors de la Journée mondiale de la vie sauvage à Monaco. Pour discuter de ces dernières mesures et des prochaines, le commissaire m'a rejoint dans The Global Conversation sur Euronews. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Parlez-nous de la Coalition mondiale pour la biodiversité et de sa place dans l'agenda environnemental de l'Union européenne. Nous avons rencontré un énorme succès ces dernières années en lançant une campagne similaire sur les déchets marins, la pollution plastique dans nos océans. Et comme cette année est consacrée à la biodiversité, il est temps de sensibiliser à la perte de biodiversité. La science est très claire, sur 8 millions d'espèces évaluées, 1 million risque l'extinction. Nous devons sauvegarder ces espèces perdues à cause des activités humaines. Le meilleur outil pour faire ça, c'est la société, une société mobilisée qui soutient certaines décisions et qui nous emmène à nous rencontrer, espérons-le, en octobre prochain en Chine pour parvenir à un accord global égal à l'accord de Paris conclu en 2016. Le dernier Eurobaromètre montre que 94% des Européens se soucient de la protection de l'environnement. C'est un signal clair pour pousser les politiciens à agir. Et je suis vraiment fier que la Commission européenne l'ait fait dès les premiers jours en présentant notre initiative phare, European Green Deal. Avec les grands mouvements sociaux de l'année dernière, notamment Fridays for Future, l'accent a été mis sur le changement climatique. Devrions-nous plutôt porter notre attention sur la biodiversité? Pour être honnête, il ne faut pas opposer les deux. Le changement climatique est important et il faut en être conscient. Je suis heureux qu'on en soit arrivé à un point où tout le monde est capable d'expliquer ce qu'est le changement climatique. Je pense qu'il faut qu'on fasse le même travail de sensibilisation sur la biodiversité. Car si l'on regarde les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, un tiers d'entre elles vient directement d'une biodiversité et d'un écosystème sain, des océans, des mers, des terres et des forêts en bonne santé. La biodiversité, c'est tout ce qui est autour de nous. Et bien sûr, toutes ces espèces qui sont utiles à la vie, mais qui nous aident aussi à nous nourrir. But also brings food on our table. L'Union européenne a clairement placé le Green Deal en tête de son agenda. Où sont les mers et l'océan dans ce pacte vert? Vous avez raison, l'une de mes missions est de faire que le Green Deal soit aussi un Blue Deal. En protégeant la biodiversité, nous ne pouvons pas parler uniquement de la protection des espèces ou de la protection des terres, des sols ou des forêts. Nous devons également agir pour les océans. C'est pourquoi cette année, il sera d'une importance cruciale de parvenir également à un accord mondial sur la protection de la haute mer qui, aujourd'hui, n'est pas pleinement mise en œuvre. Les discussions sur le budget de l'Union européenne sont sous pression pour inclure davantage d'actions en faveur du climat. Quelles sont vos attentes et les priorités selon vous ? Tout d'abord, la Commission souhaiterait voir un accord. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder les choses, ce serait sûrement le pire résultat possible. Deuxièmement, nous voulons intensifier les efforts de protection de la biodiversité et le Green Deal doit disposer de financements suffisants. Je suis heureux de voir que ces appels ont été entendus, mais le plus important, ce sont les subventions, les financements qui proviennent directement du budget de l'UE, de différentes enveloppes. Ils doivent être en accord avec le Green Deal et ne peuvent pas accroître la perte de biodiversité ni renforcer le changement climatique. Nous devons être sûrs que nos activités n'aggravent pas la crise écologique, car ce serait très étrange si d'un côté nous augmentions les fonds pour la protection de la biodiversité et de l'autre nous financions des activités qui détruisent la biodiversité. Vous avez abordé les défis et les points importants de l'année. Je dois donc en parler. Qu'en est-il de la situation du Brexit en matière de pêche? C'est l'un des grands défis pour l'Union européenne et pour vous aussi cette année.
Les négociations commencent tout juste et nous sommes prêts à discuter. Et je pense que nous aurons une discussion où chacun est prêt à des compromis. Nous obtiendrons des résultats satisfaisants pour tous. Le plus important, c'est vraiment d'être disposé à trouver un accord. L'accord de pêche est la seule échéance et c'est très court. Alors commençons. Nous sommes prêts et les Britanniques aussi. Nous travaillerons sans relâche pour trouver le meilleur accord. En tant qu'ancien ministre de l'économie et de l'innovation de la Lituanie, comment cette expérience influence-t-elle désormais votre position de commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche ? L'une des principales initiatives que nous allons annoncer le 11 mars est le plan d'action pour l'économie circulaire. Il comporte divers éléments, comme des mesures sur les produits, le droit à la réparation ou l'implication effective des entreprises et des PME. Si nous parvenons à mettre en œuvre l'économie circulaire et à changer les activités économiques actuelles, si nous parvenons à dissocier la croissance de l'extraction des ressources, nous pourrons réussir à stopper la perte de biodiversité, car la perte de biodiversité est principalement due à l'extraction de ressources qui exerce une pression énorme sur notre environnement. Concernant ces nouvelles politiques, il y a aussi l'aspect de la transition. Quelle est votre position à ce sujet ? C'est très important et dès le début, la Commission a déclaré que personne ne pouvait être laissé pour compte. Il est important de mentionner que le Green Deal est une stratégie de croissance et que la croissance, ce n'est pas seulement d'avoir de l'ambition, mais aussi d'aider ceux qui n'ont pas les mêmes préoccupations. Et je pense que l'accord ne peut réussir que si tout le monde s'y met. Et pour la dernière question, je voulais vous demander, vous êtes le plus jeune commissaire, cela influence-t-il votre politique ? Je suis très ouvert à la discussion avec tout le monde, avec chaque citoyen européen. Et je pense que mon rôle est de sensibiliser et de faire en sorte que ça bouge. Merci beaucoup pour cette interview. Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l'environnement, les océans et la pêche dans The Global Conversation sur Euronews.